Abonne-toi ou j'arrête YouTube. Merci. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti directement pour un petit tuto. Donc il y a un glitch qui vient de sortir pour tirer à travers les constructions, aux barrettes ou à l'air ou n'importe quoi. Mais le plus avantageux, c'est quand même aux barrettes. Vous allez voir ça du coup. J'ai mis des barrettes dans le lama. On va l'ouvrir instant. Je suis en créatif pour vous montrer, mais ça marche bien sûr en arène, en multijoueur, etc. Donc là, mon pote va m'attendre ici. Il sort de vous montrer le glitch. Je vais faire une petite tour. Voilà. Et là, vous allez devoir edit le mur comme ça d'abord, dans un premier temps. Et ensuite, vous allez faire une porte. Pour que ça arrive comme ça, donc là si vous accroupissez, ben, vous voyez bien que le mec en face ne voit pas. Mais entre les murs, il y a des petits trous entre les murs en bois. Et sachez que les balles passent à travers. Donc je vous montrerai tout de suite. Voilà, ça marche dans toutes les positions, avec toutes les armes. Moi je montre le barrette parce que c'est vraiment le plus efficace. Dites-vous que là s'il y a un mec qui pique en face de moi, mais je peux lui mettre une grosse tête sans que lui puisse me toucher. C'est vraiment super fort. Je peux vous montrer une deuxième fois. Et voilà. C'est vraiment le glitch le plus fort du jeu. Je comprends pas comment ça peut encore exister après plusieurs mois d'existence. Mais bon, il a été leak juste avant le tournoi trio. N'hésitez pas à vous en servir. N'hésitez pas à partager la vidéo. Le petit pouce bleu. Abonnez-vous, c'est super important. On a bientôt les 40 000. Donc je vous fais confiance là-dessus, le petit abonnement. J'espère que je vous aurai aidé. Passez une très bonne journée et bonne chance pour ce soir, les gars. Ciao.